Coucou, chers internautes, chers abonnés à Myriam de Jésus News TV. Lilouba Ndekolanga, tous à mardi, hein, le 22 février 2022. Botunanga nini. Tolali tout l'amour qui nous rendait samedi, Davina Apwa. Alataki, robe à mariage, alataki voile. Pona nini. Yokoye ba onkaka awa. Qu'est-ce qui s'est passé, Davina Apwa, à sala ki nini. Toko yoka on. Kaka na vidéo ou. Et bon, tout fan ka ezaka Davina ka atin, ya Marie-Jeanne, hein, ex-mese chante, mese 30. Ta la sœur na biso nenga komange bunge bouli sous. Ta la nenge ki chrétinité si e rajeunir yé li sous. Aye koloba, aye ko pesa message mo vraiment très profond. Et bon, ezana nani message wana. Est-ce que ezaya yo mutozo ko landa ou bien ezali yangai tope ezali ya point d'interrogation vraiment eza message moko ya makasi eza vraiment très profond ya onto senga bino hein bino mo boyoka comme ça muta muta ko pesa réponse à s'adresser na nani et bon yo ozana no abonné te na Myriam de Jesus News TV to senga na bino bo s'abonner massivement la chaîne abino bobo sana partage té et puis bobo sana ko like té et surtout pas na biso abonnement isa nango ya ofélé to tsingi na bino bolanda message oyo ya sœur Marie-Jeanne et puis bouyeba Davina Apwa nini tolanda. Salut, bonne semaine à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous avez bien démarré la semaine, c'est très bien, gloire à Dieu. Alors je viens encore dans cette vidéo rassurer quelqu'un par la grâce de Dieu, fortifier quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Alors je vais juste lire un passage de la Bible dans le livre de Daniel. Je vais commencer par le chapitre 3. Je vais lire le verset 16 et 17. Mais à la maison, vous pouvez lire jusque même au verset 27. C'est merveilleuse histoire de Daniel. Je vais lire au nom de Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Vous savez, avoir l'assurance de Daniel, c'est juste fou. Hein? C'est fou d'avoir cette assurance, en fait. Que même dans la fournaise ardente, le Seigneur viendra nous délivrer. Tu peux le déclarer. Tu peux le dire avec moi. Le Seigneur viendra me délivrer. Oui. Le fidèle des fidèles qui a dit qu'il ne te laissera pas, qui sera avec toi jusqu'au bout, il ne te laissera pas. Il ne laissera pas que le feu te brûle. Il ne permettra pas même à un seul cheveu de ta tête avoir attrapé l'odeur du feu, en fait. Il est écrit dans Ésaïe 43, « Si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Nous appartenons à un Dieu magnifique. Nous appartenons à un Dieu fidèle. Nous sommes les candidats du ciel. Mon frère, ma sœur, quand ça devient encore pire, c'est là que Dieu aime venir maintenant tirer sa gloire. Ça s'est passé dans Jean 11, vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire de Lazare. Le Seigneur Jésus-Christ a attendu quand Lazare commençait déjà à sentir dans la tombe. Il a demandé à sa sœur, ouvrez le sépulcre. Il dit... on lui a répondu, mon Seigneur, Maître, il sent déjà. Mais le Seigneur a attendu. Quand il était malade, on lui a appelé, il n'est pas venu. Il est venu quand ça devenait pire. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a permis à ce que Daniel et ses amis puissent entrer dans la fournaise, qu'on puisse les jeter dans la fournaise ardente pour qu'ils tirent sa gloire. Peut-être que c'est lourd les problèmes que tu es en train de connaître maintenant, la situation, les choses s'empirent. Tu te dis, mais je prie, je fais des jeûnes, on a prophétisé sur moi et tout, voilà, je marche dans la sanctification, je marche avec Dieu, je prie 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans la journée. Mais comment est-ce que les autres personnes même qui ne prient pas, ça marche pour eux? Pourquoi moi seulement qui marche maintenant avec le Seigneur,
Moi qui ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, moi qui marche avec le Seigneur depuis 50 ans, 20 ans de vie chrétienne, pourquoi les choses n'est jamais facile avec moi? Dieu m'a répondu à ce sujet un jour. Il m'a dit, je suis là, te suffit. Emmanuel est là. Jésus-Christ est là. Je vais encore te rassurer, peut-être que tu l'as déjà entendu. Mais si Dieu insiste, c'est parce qu'il veut vraiment te faire savoir qu'il est avec toi. Si tu lis bien cette histoire, tu verras que toutes les personnes qui étaient là, ils ont dit, même pas l'odeur du feu. Quelqu'un qu'on le jette dans le feu, normalement quand il sort, vous sentez qu'il a l'odeur du fumée et tout, voilà. Mais en fait, la Bible dit, même l'odeur du feu n'a pas pris un seul cheveu. Ils rayonnaient. Permet à ce que Dieu puisse tirer gloire dans ce que tu es en train de traverser. Tu ne mourras pas. Le feu ne te brûlera pas. Dans la barque dans laquelle tu te trouves, le Seigneur est là. Tu vas passer, tu vas aller à l'autre bord. En fait, quand ça devient pire, là, en fait, tu t'approches, tu es à la porte d'entrée de ta gloire. Dans ta gloire. Tu es à la porte, en fait. N'abandonne pas. Je te prie, mon frère, ma soeur, de ne pas abandonner. Continue la marche avec Dieu. Continue de prier. Ne baisse pas les bras. Ne permets pas à l'ennemi de venir te tromper. Je prie maintenant au nom de Jésus que la peur te quitte. Maintenant, que la peur te quitte maintenant. Je prie que le shalom de Dieu, je prie que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse venir maintenant. Que Dieu puisse poser sa main là, dans ton cœur. Je prie pour la paix, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le fais maintenant. Merci parce que tu fortifies, tu encourages maintenant mon frère et ma sœur. Merci Seigneur Jésus parce que ta paix maintenant est son partage au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, je vais parler comme ma mère spirituelle Mamina a parlé un jour. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, qui doute de sa puissance, viens vite. Ne marche même pas, toi tu dois venir vite. Parce qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de sécurité. Tu n'es pas en sécurité. En fait, les enfants de Dieu, il y a une manière qu'on gère les problèmes, on gère les choses différemment. Même quand tu vas te dire, mais ils n'ont pas l'argent, mais comment il est en train de... En fait, ça se passe différemment. Tu me verras marcher, prendre le train, faire comme ça, mais je suis dans la paix. Il y a quelque chose qui est différent. Viens tel que tu es et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas commencer aussi à parler comme moi. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je parlerais comme ça. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Et ce qu'il a fait avec moi, il est capable de faire avec toi. Nous avons un Dieu magnifique. Le Seigneur est fidèle. Il est omniprésent. Il s'est toujours manifesté dans ma vie. À chaque fois que je passais aussi dans les faits comme toi, le Seigneur m'a toujours rassuré par sa présence. Il m'a toujours rassuré. Il m'a toujours dit que je suis là. Il ne me laisse pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce que ta gloire, le poids des problèmes, le poids des pensées, des réflexions que tu portes, c'est le poids de ta gloire. Et tu vas oublier la douleur. Tu vas oublier tout ce qui se passe maintenant. Il y aura les chants d'allégresse. Tu vas louer le Seigneur devant tout le monde. Et même ta famille, même ton entourage viendront louer ton Dieu comme ça s'est passé. Le Dieu de Daniel a manifesté sa gloire, a fait éclater sa gloire ici, dans cette histoire devant les rois, et eux tous, ils ont commencé à prier les dieux de Daniel. Permets à ce qu'on puisse prier ton Dieu. Permets à ce que les personnes puissent t'appeler, venez prier aussi pour nous. Vraiment, on a vu comment est-ce que ça s'est passé dans ta vie. Viens aussi prier pour nous. Dites-moi un peu, ton Dieu là, c'est comment? Permets à ce que les personnes puissent voir la gloire de Dieu se faire éclater dans ta vie. Et qu'ils viennent glorifier ces dieux-là. Sois sans crainte. Bannis la peur. Le Seigneur est avec toi. N'oublie jamais que le Seigneur est avec toi. Le diable viendra te mettre des pensées dans la tête pour dire que le Seigneur n'est pas là. Oublie, abandonne. Mais mon frère, ma soeur, n'abandonne pas.
n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est bientôt. C'est bientôt fini. Le Seigneur est avec toi. Sois fortifié au nom de Jésus et que la gloire du Seigneur continue à marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Etape ya bomoto na biso ezalaka na makambo misato kobotama kobala pe kokufa toza koyemba libala soki ozali na mwasi na yo awa tona mobali na yo otile moyo kobindela nzambe na yo bana basi bafi mama botika basambla bokoma nango moto ozolingo diskute na ye oyebi yango bien kaleki yo banda lelo ti na maluku conscience ne yebi oyebi ke ye nde madame Moulinika ou discuter, batou ba mouna ou discuter. Mote manu yé bi yo. Boni bouye, quoi maman? Ouais? Yes? D'accord. Copine à Boakan, yes! My copine! Copine de Boakan, puisque tu m'as fait ma voix comme ça.